Bonjour Patrick. Alors quand on parle de tout terrain, on associe toujours Ibarra avec Jeep. C'est une longue histoire entre vous deux, non? Oui, une histoire qui dure depuis 2003, la première Jeep rouge. D'accord, ça a donc commencé en 2003. Premier rallye des cimes 2003. D'accord. Alors raconte-nous un petit peu ta passion pour la Jeep. Passion pour la Jeep, c'est une voiture déjà qui à l'origine me plaît, par sa forme quoi. Et puis en plus, elle rentre bien dans le cadre du rallye des cimes. D'accord. Et cette histoire dure depuis, si j'ai bien compris, ça sera ta 16e participation au rallye des cimes. 15e je pense. Parce que quand on a changé la mécanique, on a loupé une année aussi. D'accord. On a loupé en 2008 et en 2000, il y a 3 ans qu'on a loupé. Je crois qu'on a loupé, depuis 2003, on a loupé 2, je crois. D'accord. Et on est arrivé, par contre, je crois on doit être à 14 participations. Je crois qu'on est 12 fois à l'arrivée. D'accord. Et dis-moi, pendant tout ce temps, il n'y a pas eu d'infidélité à la Jeep, même par la pensée, tu n'as jamais eu envie de changer de catégorie? Par la pensée, oui, essayer une fois, oui. Essayer un buggy une fois pour les sensations. Mais je pense que la Jeep restera, quoi. Tant que je pourrais faire les cimes avec la Jeep, je ferai les cimes avec la Jeep, quoi. D'accord, d'accord. Il y a bien sûr sur le plateau pas mal de Jeep Cherokee, hein. Mais quand même, celle qui symbolise le plus la marque, c'est quand même la tienne, quoi. Elle bénéficie de la part du public un capital de sympathie qu'on peut vérifier à chaque rallye quand même. Hein. Alors comment toi tu l'expliques et puis comment tu le vis? L'expliquer, non, c'est la passion, quoi. C'est la passion par rapport à, je dirais, le rallye et la voiture, quoi. Qui dit rallye sim, dit Jeep, quoi. Et l'expliquer par rapport au public, non, je vois pas. C'est quand même celle qui ressemble le plus à la Jeep d'après-guerre. Oui, au niveau des lignes. Au niveau de la carrosserie, bien sûr. Au niveau des lignes, oui, c'est sûr. Ouais. C'est la seule. Un Cherokee n'y ressemble pas du tout. Il ne ressemble pas, mais ils vont plus vite que nous. Non, mais c'est pas grave, ça. D'accord. D'accord. Alors, peut-être deux mots de ce véhicule, parce que je pense qu'on n'est plus tout à fait quand même sur le Wrangler d'origine. Il a subi des évolutions, des transformations, certainement au cours des années. Oui, déjà il a évolué parce que pour le mettre aux normes au niveau des rallyes, tout terrain, quoi, avec baquet, arceau, harnais. Et évolution aussi après au niveau de la voiture par elle-même, parce qu'elle était quand même assez fragile. Et je dirais que Pierrot Couillette, Patrice Couillette, Pierrot Negrelou et Fanto ont rajouté quand même pas mal de fer, quoi. Elle est quand même bien renforcée, cette voiture, quoi, de tous les côtés, quoi. D'accord. Jean-Yves est peut-être mieux placé pour parler technique. Ah, je pense, oui, c'est lui qui s'occupe de la voiture. Alors Jean-Yves, on te connaît comme copilote, hein, et personnellement je ne savais pas que tu étais mécanicien et que tu t'occupais vraiment de l'entretien de cette voiture. Alors tu peux nous parler un petit peu déjà de son moteur? C'est un 4 litres. Oui. Il a un boîtier électronique DTM, et je crois qu'il sort dans les 225 chevaux. D'accord. Voilà. Et le moteur est entièrement d'origine, que le calculateur qui est préparé. D'accord. D'accord. La transmission? Il vient de mettre des ponts renforcés, ponts avant, ponts arrière, différentiel. Et après tout le reste est d'origine. Après les tirants de ponts, c'est renforcé, les amortisseurs renforcés. Ouais, c'est... Et ce sont des accessoires de la marque, des pièces de la marque? Non. Jeep, non. C'est des trucs différents. Les qualités de ce véhicule? Qualité, je dirais qu'au départ, c'est le coût. Le coût, il n'est pas énorme, quoi. Au départ, c'est l'achat d'un véhicule d'origine, plus la modification. Et depuis, on évolue tous les ans, mais on n'a pas un gros budget, quoi. C'est, financièrement, elle ne coûte pas très cher, la voiture. D'accord. C'est le gros avantage. Elle est fiable, parce qu'elle a été bien renforcée de partout. Parce que le but est de finir, quoi. On ne gagnera
on ne gagnera jamais dans la catégorie des 4x4, mais le but est de finir. Voilà, c'est, d'accord. Je dirais c'est ses qualités principales. Quoi. Et le plaisir de rouler en Jeep. Quoi. D'accord, et bon, comme tout véhicule, il a peut-être des points faibles. Points faibles, peut-être pas par la faute du pilote, parce qu'on a eu pas mal de problèmes de transmission, notamment au pont couple conique. Et bon, je pense que c'est un peu la faute du pilote, quoi, qui à certains moments ne lève pas, quoi, alors qu'il devrait lever. Peut-être la faute du copilote aussi, parce que le copilote, il est là pour freiner les ardeurs d'un pilote qu'il sent un peu trop chaud, non? Bon, non, disons que quand je roule avec un Fantôme, c'est plutôt l'inverse. Je roule pas assez vite, quoi. Erwan, il est nouveau, quoi, cette année, alors c'est pour ça qu'il n'ose pas. Mais Fantôme, avec Fantôme, on roule pas assez vite, quoi. Tu as participé avec cette voiture quand même à de nombreux rallyes, à l'échelon local, régional. Tu as fait le championnat de France ou non? Non, jamais. Non. On est resté. Bon, depuis que je fais des rallyes, ça va être. J'ai dû en faire une quarantaine de rallyes. Et on a fait donc Gamia, on a fait Barreto, Orthez et les Cimes. Mais bon, 14 ou 15 fois les Cimes, et le reste, c'est les trois autres rallyes. Uniquement, on tourne localement. Le 62e rallye des Cimes, comment vous vous préparez? Moi, j'ai le beau rôle, parce que je fais rien. Non, disons que j'ai l'avantage de les avoir les deux. Ils travaillent sur la voiture. Et parce que, bon, disons que moi, mes connaissances mécaniques sont vraiment limitées. Et puis, bon, j'ai tendance à me foutre pas mal de pets quand je bricole. Alors, partant de là, vaut mieux les laisser faire. Mais bon, je leur fais confiance et puis ça se passe bien, quoi. Le but, c'est de... L'objectif, c'est d'y participer, quoi. Après, on verra, quoi. D'accord. Et je pense qu'ils font tout pour y participer dans de bonnes conditions, quoi. D'accord. Très bien. Les différents copilotes que tu as eus, Patrick? J'ai démarré avec mon frère. Bon, c'était sympa. C'était marrant avec Michel, quoi. Parce que, bon, les autres, ils s'en foutaient. C'est-à-dire qu'on se baladait, quoi. C'était sympa au départ. Après, j'ai roulé avec mon neveu, Vincent, qui, lui, par contre, était passionné, quoi. Passionné, puis bon, manque de peau, on a eu un petit souci, quoi, au Barreto, on était parti au trou, quoi. Et après, quand on a reconstruit cette nouvelle voiture, j'ai démarré avec Jean-Yves. Et puis bon, ça se passe bien, quoi. On s'entend bien. D'accord. Ça, on rigole, quoi. Et tiens, deux mots de cet accident du Barreto, ce qui avait été quand même spectaculaire. Disons qu'on a dévalé 350 mètres en tonneau, quoi. Disons que bon. Il t'en avait qu'une chance, c'est d'arriver à moi, quoi. Je disais, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas eu peur, mais c'est chaud, quoi. Ça tourne, quoi. Ouais. Bon, finalement, sans trop de dommages. Non. Pour vous, je veux dire. Non, nous... parce que la voiture était morte. Ouais. Non, nous, on a eu de la chance, énormément de chance. Je dis, c'était pas notre jour, quoi. Chacun sa destinée, comme là, c'était pas notre jour. Parce que Vincent a eu un doigt cassé et le nez cassé, et moi je n'ai rien eu, quoi. Que des contusions, beaucoup de contusions, quoi, mais aucune séquelle, rien, quoi. C'était pas notre jour, on a vraiment eu de la chance, quoi. D'accord. Et est-ce qu'on repart facilement après un accident comme ça? La première fois, c'est chaud, quoi. Bon, on a envie de repartir, parce que bon, au départ, on dit qu'on va pas repartir, mais après, bon, il y a... Disons que de voir rouler les autres, parce que j'avais été à Orthez, j'avais été au CIM, de voir rouler les autres, ça pince un peu, quoi. Alors on a envie de repartir, alors on décide de reconstruire une voiture, de faire une voiture, parce que bon, personnellement j'en suis pas capable. Et celle-là, c'est Patrice Couillette qui l'avait fabriquée. Et le premier rallye, je suis reparti au Barreto. Au Barreto. J'avais fait le Barreto avec ma femme le samedi, mon premier spécial, premier virage chaud quand même, hein, parce que les pieds sur les freins, quoi. Hein. Et puis le dimanche, j'avais roulé avec Fantôme, ça avait été. Et puis après, j'en ai reparti au CIM, je dirais officiellement, quoi. Et première spéciale, c'était chaud, quoi. J'avais vraiment la boule, quoi. Et puis bon, dès l'instant où il nous a fait partir, après c'est revenu, quoi. À notre niveau, quoi, mais après c'est revenu, quoi. Jean-Yves, tu as été copilote, bon, pas cette année apparemment, hein, on va voir ton remplaçant tout à l'heure.
Dis-moi, comment se passe la cohabitation avec Patrick dans la voiture là, pendant les épreuves? Pour moi, nickel. On s'entend bien, on s'engueule. Ça, c'est bon signe. Enfin, moi, je l'engueule plus que lui m'engueule. Bien. Une super équipe complète. D'accord. Super. Ouais, tu es plutôt frein ou accélérateur, toi? Avec lui, accélérateur. Ah ouais? Ouais, plutôt. D'accord. Je vais rajouter que l'année dernière, exceptionnellement, je lui ai laissé le volant une spéciale sur deux. Mais j'étais plutôt frein. Et j'ai freiné énormément et je ne le referai plus. C'est vrai, il a calmé tes ardeurs alors? Ouais, en fait, je roulais pas non plus. Je me retenais, mais il avait peur, oui. Ouais, ouais. Ouais. C'est quand on ne maîtrise pas la voiture. Ouais, moi je pensais la maîtriser. Mais... Non, mais je parlais pour lui là. Oui, quand on est sur le... Il n'avait pas le volant. Quand on est dans le baquet de droite, ouais. On ne maîtrise rien du tout là. Hein. Non. Alors maintenant, cette année, tu ne vas pas participer donc pour certaines raisons. Et il y a un plan B quand même. C'est. Erwan. Alors Erwan, c'est ta première participation à un rallye tout terrain? Oui, c'est exactement la première participation cette année. Ouais. J'ai fait le rallye du Barretous et le rallye d'Orthez. Et donc c'est la première participation au rallye des Cimes. D'accord, donc tu as quand même deux rallyes à mon actif. À ton actif. Avec Patrick? Avec Patrick, c'est ça. D'accord. Alors dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Jean-Yves par rapport à la cohabitation dans l'habitacle? Ah, on s'entend super bien. Par moments, on a des différences d'opinion, mais bon, on arrive toujours à retrouver le bon chemin, quoi. Être la même longueur d'onde. Ah ouais, d'accord. Mais ça, c'est quand même important, parce que si on n'est pas d'accord sur le chemin à prendre, ça peut poser quelques problèmes. C'est ça. Voilà. Alors, dis-moi, quel est ton rôle avant l'épreuve, déjà? J'aide Jean-Yves, par moments, à préparer la Jeep. Oui. Donc dès qu'il a besoin d'un coup de main, je suis là, il n'y a pas de problème. D'accord, et puis il va y avoir la semaine avant, je pense, des reconnaissances à faire. Non, pas spécialement, on y va pour le plaisir, donc... Vous faites ça sans recours? Voilà, sans reconnaissance. Sans note? Non, enfin, des notes de temps en temps, oui. Pas de recours, non. D'accord, pas de reconnaissance. Donc pendant l'épreuve, c'est toi qui stresses tout le monde en leur disant il reste 5 minutes, il reste 2 minutes. Non, pas spécialement, non. Ils me demandent le temps, je leur donne et puis voilà. Ouais. Ça se passe sereinement. Ça se passe de façon sereine. Oui. Il faut dire que peut-être pendant les assistances, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette voiture qui paraît tellement solide. Non, étonnamment, oui, on fait très peu de choses en assistance. Donc le temps, il paraît un peu long. En plus. Voilà. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir une certaine appréhension, voire, allez, si j'ose le dire, un peu peur en voiture, pendant les courses? Un peu peur, non. L'appréhension, oui, parce que c'était la première fois que je faisais les rallyes, donc j'étais un peu, j'avais l'appréhension par rapport à Patrick, voir si je lisais bien les notes et tout ça. Mais bon, après les premières spéciales au bar et tout, l'appréhension, elle a disparu. D'accord. Voilà. Et tu es plutôt frein ou accélérateur, toi, aussi? Bon, je serais plus accélérateur, oui, mais bon, comme c'est la première année... Ouais, t'oses pas, quoi. J'ose pas trop dire, non. C'est pas les mecs, c'est la matinée, c'est ma porte, quoi. À une époque, dans les années 70, les buggies ont écarté ou supplanté les jeeps, qui petit à petit ont disparu. Et aujourd'hui, on assiste à un phénomène quand même où on voit les SSV, en nombre du moins, être plus nombreux que les véhicules de série. C'est-à-dire qu'il y a une évolution là aussi. Comment tu vis ça? Je vis, disons que chacun sa catégorie, quoi. Disons que les SSV, quand ils sont arrivés, moi je me disais, ils vont rien faire. La surprise, il y a certains en allaient 10, quoi. Moi, le rallye, je le conçois, c'est-à-dire que je suis dans ma catégorie, et puis ça... Automatiquement, on regarde quand même les temps des autres, ça c'est sûr, mais je me contente de ma catégorie d'où je suis, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas d'œil sur les autres, quoi. Bon, c'est sûr qu'on suit le rallye, on voit l'évolution des premiers, comment ça tourne, on regarde les temps de tout le monde, mais je dirais que, je vais être égoïste en disant ça, mais je m'en fous un petit peu, quoi, du rallye des autres, quoi. D'accord. C'est un peu la... Je suis plus intéressé par les 4x4 que par les autres. Ouais. Je vais reprendre ma question sous un autre angle. Ce que je voulais dire, c'est que
les buggies ont peu à peu fait disparaître les jeeps. Et aujourd'hui, est-ce que les CSV sont pas un petit à petit en train de faire disparaître les véhicules de série? Non, je pense pas. Je pense pas parce que bon, déjà, on voit l'évolution des CSV et au niveau prix, disons qu'ils sont beaucoup plus chers que les 4x4, quoi. Parce qu'au départ, c'est une voiture de base qui n'est pas très chère quand on voit toutes les évolutions qu'ils ont. Et eux aussi sont rentrés un peu dans l'engrenage des buggy, quoi. Alors je pense qu'il y aura tout le temps des 4x4 parce que ce n'est pas les mêmes budgets, quoi. Tant que j'aurai la santé, la Jeep sera aussi. Mais c'est long. Et nous, on espère la voir encore très très longtemps sur les pistes du Rallye des Cimes. En honneur à ses glorieuses ancêtres, on dira. Ouais. Voilà. Alors bon courage pour les 15 jours qui restent. Je suppose que l'emploi du temps va être chargé quand même. Surtout pour eux, il va être chargé. il faut finir la préparer. Voilà, ils ont bien avancé déjà. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, quoi. D'accord. L'engagement est parti, alors on est allé à cas. Alors à très bientôt sur les pistes ou dans le parc d'assistance du Rallye des Cimes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.